Salut à tous, supporters et supporters du FC Lorient. Voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je prends la direction du stade du Moustoir pour voir la rencontre cet après-midi entre Lorient et Lille. Deux équipes à regarder assez intéressantes sur la feuille de match. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Les amis, ça y est, me voilà arrivé au stade du Moustoir pour la rencontre entre Lorient et Lille à 17h05. Le match débutera avec un guichet fermé, comme toujours depuis quelques matchs déjà. Voilà, allez les merlus. Mes amis, dans 1h30, l'arrivée des joueurs du FC Lorient face à Lille. Voilà, comme vous pouvez voir, le village du FC Lorient est en train de s'installer tranquillement, donc je vous reprends dans quelques instants. Comme vous avez pu le voir, les joueurs viennent d'arriver au stade du Moustoir. Ils sont rentrés actuellement au vestiaire pour se préparer. La rencontre aura lieu maintenant dans un peu plus de 1h30, 2h. Bon, maintenant, je prends les gars, ils sont de l'entrée du stade. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, de retour cette fois-ci dans le stade. Voilà, ça y est, je suis dans le stade. Franchement, la pelouse est vraiment très 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 belle. On s'attend vraiment à avoir un beau spectacle. Derrière, vous voyez derrière moi les joueurs qui sont en reconnaissance directement sur la pelouse. Voilà, dans quelques instants, les joueurs vont rentrer au vestiaire pour se préparer à l'échauffement. Et moi, je vous retrouve au bord du terrain. De retour, les amis, sur le terrain, aux abords du terrain, à l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir, comme j'ai filmé il y a quelques minutes, vraiment une pelouse magnifique, un billard magnifique. On va vraiment jouer sur une pelouse en parfaite qualité. Je vois déjà le terrain. Derrière moi, vous pouvez voir encore quelques joueurs de Lorient actuellement encore en train d'être en reconnaissance. Donc dans quelques instants, ils vont rejoindre leur vestiaire. Et d'ici là, on se retrouve pour la sortie des joueurs à l'échauffement. Thank you.
de la Ligue Europa Conférence face au club croate de Rijeka et ont remporté le match aller ce jeudi 2-1. Et nos Merlus, Marouen. Alors, côté Merlus, nos Merlus, eux, comptent 2 points en 2 matchs. Et... Thank you.
Manonnet, numéro 12, Darlin Yonbois, numéro 18, Bamo Meite, numéro 4, Loris Mouyokolo, numéro 20, Dembo Silla, numéro 17, Jean-Victor Makengo, numéro 93, Joël Mbuka, numéro 37, Théo Lebris, et numéro 22, Élie Junior Croupi. C'est incroyable ce qui se passe.
Jaciel, supporter Jaciel. Mi-temps au stade du soir, Lorient face à Lille. Lorient mène 2 buts à 0 face au LOSC. Les buts ont été inscrits par Laurent Vergel et Julien Ponceau. 2 buts en 1 minute. Voilà, Lorient met 2-0 à la mi-temps. Lille a été tué. 2 changements déjà avant la mi-temps. Voilà. 2-0 à la mi-temps pour Lorient. Il faut que l'Orient continue à jouer. On se retrouve dans quelques instants. Nice-Lyon.
Bonsoir à tous, supporters, supportrices du Football Club de Lorient. De retour sur la chaîne YouTube où nous allons débriefer le match, la rencontre entre Lorient et Lille. Donc, on va retenir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Pour la mi-temps, on voyait vraiment, notamment le dispositif qu'a mis Régis Lebris, c'était exactement le même... Même dispositif qui a été mis aussi face au Paris Saint-Germain. Quelques rotations quand même, notamment des nouveaux joueurs qui ont fait leur apparition sur la feuille de match. Une équipe de Lorient, dès les premiers instants, où Lorient tout de suite a cherché à faire mal directement. Ça s'est concrétisé vers la mi-heure de jeu. Une grosse erreur de la relance du gardien et qui fait mouche, qui fait but, un but à zéro. Et dans la minute qui suit, le gardien qui fait une passe à son joueur, le joueur qui revient sur Julien Ponceau qui la contre, résultat 2-0. 2-0, on va dire 10 minutes de jeu. Ensuite, Lorient qui a continué à avancer, à attaquer les ballons. Lille qui avait énormément du mal. Lille qui a commencé à se montrer agressif sur le porteur du ballon. Donc 2-0 à la mi-temps. En sachant que Lille a effectué deux changements à la mi-heure de jeu. Lorient ensuite derrière en deuxième mi-temps s'est fait quelques frayeurs, notamment à la 48e où Jonathan David réduit le score. Vers la mi-heure de jeu, Régis Lebris effectue trois changements, notamment l'entrée d'Eli Junior Croupi, notamment de Jean-Victor Makengo, notamment aussi de Théo Lebris. Ces trois personnes sont rentrées directement sur le terrain vers la demi-heure de jeu. Derrière sont les suivis derrière un milieu offensif de Lorient très remonté à bloc, donc derrière ce qui a laissé les espaces dans les axes, on a pu très bien se trouver. Et puis derrière il est Croupi qui a fait très très mal à la défense, où il a pu envoyer plusieurs ballons, notamment le ballon on va dire du troisième but pour Romain Fèvre qui est vraiment une forme étincelante en ce moment côté lorientais. Et puis sur 10 minutes après, le contre lorientais qui fait mouche. Très beau jeu de jambes et dribble de Eli Croupi une fois plus. Eli Croupi qui a vraiment été incroyable. Et puis Vincent Le Goff qui trouve une lunette entre le défenseur et le gardien et qui fait mouche. Du coup, 4 buts à 1. Je tiens à préciser aussi la belle performance aussi de d'Yvonne Mungo, le gardien lorientais, qui a trouvé des parades, notamment, qui a pas trop été mis en danger en première mi-temps, mais qui a plus été mis en danger en deuxième mi-temps. Voilà, donc Lorient s'est imposé 4 buts à 1. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est l'effectif de qualité du groupe. Vraiment, ils ont fait un magnifique match. Ils ont su apporter ce qu'ils n'avaient pas mis en valeur face à Nice, ce que a dit Régis Lebris au micro tout à l'heure. Donc voilà, sur ce mes amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette journée, en vous souhaitant un bon week-end et la suite au prochain épisode. Tête haute et fière, allez regarder.